Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo Phasmophobia. Si vous saviez à quel point ça m'a manqué de dire ça et à quel point le beat est bon et le chat est chaud. Ça y est, je suis enfin entré de vacances et on va pouvoir découvrir ensemble la nouvelle update de Phasmophobia. Si tu le sais pas, Phasmophobia, ils ont fait il y a 2 semaines la plus grosse update du jeu, de l'histoire du jeu. Ils ont tout remis, les niveaux à zéro, ils ont débloqué, enfin ils ont ajouté plus de 40 nouveaux objets. Je crois pas qu'ils aient changé les fantômes apparemment. Ne me spoilez pas s'il vous plaît dans les commentaires, cette vidéo ça va être très simple, elle va durer à peu près je pense 1h30, 2h. Il n'y a pas vraiment d'objectif, on va juste découvrir les nouveautés et se laisser porter par le jeu. Comme tu peux le voir, bah le chat est méga chaud puisque je l'ai manqué, et oui toi aussi tu vas manquer, sache-le. Bref, je viens de lancer le jeu, j'ai même pas bougé, on va voir ce qui l'en est. Let's go baby. Bon, le cadrage était mauvais mais bon, on est parti. Alors, bon, déjà, j'ai plus les maps. Niveau 1, niveau 2. Ah bah ça va, ça se débloque assez vite, les niveaux. Ok. Bon, après, la Tanglewood, hein, on va pas se mentir, c'est la seule map intéressante. C'est ça, les coulisses, exactement. Alors, re-bienvenue. À cause du remplacement complet du système de progression, votre niveau précédent, ce changement ancien et votre équipement ont été remis à zéro. Bon, ça, je le savais. Vous avez été accéléré jusqu'au prestige niveau 1. Bah oui, pour vous permettre de continuer à jouer avec toutes les cartes et difficultés déjà débloquées. Ça, c'est cool. Quand vous serez prêt, continuez vers le prochain écran pour personnaliser votre tout nouveau badge. Spoiler, on va prendre 20 minutes uniquement basé sur votre ancien niveau qui sera visible sur le bras de votre personnage. Lorsque vous aurez sauvegardé votre badge, c'est tout. Il ne pourra pas être changé. Ah oui, c'est vrai. Ça, on va pas pouvoir le changer. Ok. Alors, ce sera pas une vidéo tuto YouTube. Hein. C'est une vidéo, moi, je découvre. Hein. Je me suis absolument rien spoilé. Le chat, dans sa bonté incroyable, ne me spoil absolument pas. Tu vois, les modos, ils ont même pas besoin de tirer dans tous les sens, même si je pense que ça va pas trop tarder. Donc voilà, il n'y a pas de tuto, rien du tout. C'est une petite vidéo vraiment découverte pendant 2 heures. Et puis moi, ça fait 5 semaines que j'ai pas joué. Donc vous allez entendre des bruits de pas. Moi, je vais être... Ah, merde, il est rapide, il est lent. Thierry, allô? Bon, on va voir. Félicitations, vous avez débloqué les options de personnalisation suivantes. Couleur. Ah, d'accord. Ben, rouge. Rouge ou jaune. On va essayer de faire ça pas trop... Oh, c'est pas mal comme ça. On va essayer de pas prendre trop de temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Tête de mort. Ah, putain, tu peux pas choisir les couleurs séparément. C'est dommage, j'aurais bien aimé mettre ça en rouge, d'autres trucs en violet. Gris, vert. Non, mais attendez, je vais pas commencer à lire le chat parce que je vais pas m'en sortir. Alors attends, ça en vert comme ça, c'est pas mal, j'aime bien. On est plutôt team vert ou team rouge? Violet, j'aime bien, mais là, je trouve ça rend mal. Moi, j'ai eu un bug avec le badge, d'accord. Le cru-cru. J'avoue que j'aime bien le cru-cru, j'aime bien la petite tête de mort. Mais je trouve qu'avec les empreintes de l'Obaki, ça rend mieux le vert. Je vous ai dit qu'on y allait, on y allait y passer 20 minutes. Légidia, qu'est-ce que t'en penses? Le rouge, le vert, le vert? Eh, le vert est pas mal. Le vert comme ça, il est pas mal. Avec les empreintes de l'Obaki, par contre, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Les empreintes de l'Obaki, j'aime bien. Violet? Ouais, mais violet, regarde comme il est dégueulasse. Le violet, il est dégueulasse, madame. Violet, ou alors comme ça. Oh putain, non, mais c'est Dale. Bref. Je vous ai dit, rouge? Pourquoi je vous demande? Tu as blanc. Il y a blanc? Ah, attendez, blanc, c'est pas mal. Ah, blanc, c'est pas mal, moi j'aime bien. Blanc. J'étais niveau 80-80. Blanc. Ouija, c'est non. Crucifix ou tête de mort? Crucifix ou tête de mort? Blanc, c'est propre, je trouve. Blanc, j'aime bien. Gold. Ah, gold, c'est pas mal. Non, je pense que je vais rester sur blanc. Vert. Le violet, c'est dommage, je trouve qu'il rend trop mal. Je vais rester sur blanc, je pense. Crucifix. Sérieux? Ouais, peut-être crucifix. Allez, on part sur celui-là. On part sur celui-là. Allez-y, allez-y, il y a un sondage. Et puis après, voilà, YouTube, à tout de suite. Voilà, comme d'habitude, YouTube, j'ai demandé l'avis du chat. Et puis au final, c'est moi qui choisis. Donc on va partir sur, voilà, sur un fond classique blanc, fond noir, 80-80 avec 2 crucifix, évidemment. Et claque Taoli. On est bon? Attendez, c'est là le bouton, il n'y a rien. Donc là, si j'appuie, je peux plus le changer, on est d'accord. Hein. Une fois sauvegardé, votre badge ne peut plus être changé, êtes-vous certain? Ah non, mais ils me mettent trop la pression, là. Combien de temps vous avez mis pour le faire, vous? Oh,
j'ai appuyé. Oh, j'ai appuyé. Alors attendez. C'est bon, non mais c'est bon. Une seconde. Attendez, est-ce qu'on a des nouveaux trucs là? Ah bah du coup on a toutes les maps. Ok, c'est juste au début qu'on n'avait pas toutes les maps. Ok, donc là on est ici. Bon bah ce qu'on va faire. Alors attendez, est-ce qu'on fait l'entraînement? Parce que je crois qu'ils ont refait tout l'entraînement aussi. Vas-y, on fait l'entraînement. On est parti. L'entraînement. Ah moi je sais plus jouer hein. Je sais plus jouer moi. On est parti. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Training, nous avons créé un nom. Oulala, attendez, c'est quoi ça? Qui me parle? Oh, attendez. Bienvenue, ici Ghost Hunting Distribution, nous aimerons vous accueillir à notre centre d'entraînement. Pour commencer, prenez une lampe torche derrière vous. Ok, comment j'allume la lampe? Oh, ils ont changé les bruits! Vous pouvez allumer la lampe avec utiliser... Attendez, faut que je remappe toutes mes touches, là? Non. Attendez, faut pas que je remappe toutes mes touches, quand même. Bon, écoute, on verra après. Appliquer, ciao. Vous pouvez allumer, éteindre, machin, dans votre main ou spécial. Ah oui, comme ça. Vous pouvez parcourir les objets, ça je sais, vous êtes prêts. Prenez la clé qui se trouve à droite et ensuite interagissez. La clé ici. Ok. Oh, excellent! Le budget post-it, c'est vrai qu'il est énorme, ouais. Ah, ok, j'avais pas... Mais non, ils ont fait un level pour l'entraînement? Mais c'est des ouf! Ah putain, c'est le hangar... ok. Petit côté Ghost Exorcisme. Hein. Votre premier objectif sera que vous entrez dans un endroit hanté et de trouver la pièce préférée de l'entité. Cette pièce est l'endroit où l'entité passera la majorité de son temps. Pour trouver la pièce de l'entité, soyez à l'affût des portes ouvertes, ok. Lorsque vous trouverez... vous jouez sur des difficultés plus hautes, les entités peuvent changer leur pièce préférée. Interagissez avec la porte. Je sais pas si... Ok, je me souviens comment on ouvre les portes. Putain, mais c'est stylé. C'est méga stylé. J'adore. On est parti. Wow. Pièce numéro 1. Ok. Ok, faut juste que j'interacte. Ok. Pièce numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah ouais, c'est fait. Attendez, j'ai pas compris. Non, mais il est stylé le tuto. C'est cool qu'ils aient fait ça, mais y a pas d'explication là. Un donut. C'est nouveau ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah écoute, on va continuer. Hein. Ah, il est chaud. Hein. On va continuer. Écoute, comment tu vas, Brian? On va pas y passer de plomb non plus, on sait quand même jouer un peu au jeu. Pièce numéro 3. Ok. Bon bah... Ah, attendez, là on a des instructions. Attendez. Oh, de la bière! Qu'est-ce que c'est? Attendez, c'est nouveau, ça je connais pas. Ok. Chaque détective a son propre niveau, putain, ça claque là au lit! Let's go, baby! Merci énormément à toi, jeune claqueur. Donc ça, c'est la santé mentale, on connaît. Plusieurs choses peuvent faire baisser votre santé mentale. Rester dans le noir, apparition et pouvoir de l'entité. Vous pouvez restaurer votre santé mentale en utilisant la médication pour santé mentale. Essayez d'en boire. Ah, attendez, ça, je connais pas, c'est nouveau, ça. Je suis où, moi? Là. Merde, comment je m'en sers? Attendez, comment je m'en sers? Mais ça m'a... Oh! Oh, mais ça remet au fil du temps! Ça remet au fil du temps. Alors attendez, j'étais à 50. Ça remet 3%, 3-4% toutes les secondes, toutes les 2 secondes. Est-ce que ça va jusqu'à 100 ou pas? Oh mais c'est cheaté. Ok. Oh, ça continue. Ça fait déjà 40% là. 40%. Ah bah ça doit aller jusqu'à 100, je pense. Non. 40%. Ok, on est allé de 50 à 90 à peu près. Ok, bah, écoute, c'est stylé. Prenez, hein, utilisez, donc ça on l'a fait. Santé mentale, ok. Stylé. Alors je sais pas si c'est tier 1, tier 2 ou tier 3, on verra. Hein. Ne spoilez pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ça c'est la santé mentale, l'éclairage. Donc ça c'est pour éteindre et allumer, donc ça on sait. Petit whisky, voilà, petit whisky. Ça marche, évidemment. On, off et alternative, fusebox. Bon bah ça on connaît. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Essayer de faire sauter la boîte à fusibles en jouant avec les lumières à droite. Oh! Well done. Oh, et tu rallumes le truc.
Eh, il est bien fait pour l'instant. Oh, non, mais attendez, on va découvrir les objets Tiara en plus. Ça doit être que des objets Tiara, du coup. On a l'EMF tout pourri. Dans un contrat normal, vous n'avez qu'à trouver jusqu'à, vous n'aurez qu'à trouver jusqu'à trois types de preuves. Mais pour cet entraînement, nous allons vous montrer tous les sept. Une zone EMF est laissée sur presque tous les objets avec lesquels l'entité interagit. Ces zones durent environ 20 secondes et elles peuvent être captées par un lecteur EMF. Prenez votre lecteur EMF ci-dessous, allumez-le avec utiliser. Ok. Ah, oh, c'est stylé, les petits bruits et tout, je trouve ça trop stylé. Certains types d'entités, EMF5, ok. Ok, ensuite. Ah, j'imagine que là, il va y avoir des interactions du coup. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Putain, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Alors attends. Là. Nice work. Oh, c'est stylé! Donc là, je suis monté à combien? Je suis monté à 3,5. Oh, avec le petit bruit et tout, putain, j'adore! Oh, j'adore! Le petit. Oh, l'assiette là-bas! Oh, c'est trop bien! C'est trop bien! Ok, ça c'est bon. L'ultraviolet, bon, bah ça on connaît. Alors, là. Et donc là, normalement, si j'ai bien compris, parce que j'ai regardé vite fait, tu sais, les patch notes et tout, si j'enlève le truc, normalement, on l'a encore sur le mur. Parce qu'on l'a chargé en UV, je crois. C'est un truc comme ça. Pas du tout. Alors attends, on va lire du coup. Pour trouver ces empreintes, tendez l'oreille, restez attentif. Ok, prenez votre lampe UV, allumez-la. Si vous avez trouvé des empreintes digitales ou des empreintes de pas, soyez sûr. Ah oui, c'est vrai que les empreintes de pas, maintenant, ça compte. Finalement, si vous éclairez une empreinte assez longtemps, elle deviendra chargée, vous permettant de sortir une caméra. Donc c'est juste moi qui l'ai pas, chargée assez longtemps, peut-être. T'as mis le Windows sur le micro? Oui, tout à fait. Le patron, il est comme un gosse à Disney. Mais excusez-moi, moi j'adore, hein, j'adore découvrir des trucs comme ça. Eh ouais, moi je suis content quand je découvre des trucs. Quand j'ai un fusil à pompe dans un Resident Evil, je suis comme un dingue. Alors, est-ce qu'elle a chargé là? Pas du tout. Bon, et ça doit peut-être pas marcher pendant le tuto, c'est pas grave. Mais attendez, pourquoi ça m'ouvre pas la porte? Ah, les traces de pas. Ah, parce que je les ai peut-être pas toutes découvertes. Don't leave. Ok. Pourquoi? Ça y est, je suis bloqué dans le tuto. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Qu'est-ce que vous faites, les modérateurs, là? Oh, ça fait plaisir de vous revoir. Température glaciale. Alors oui, ils ont complètement changé la température glaciale. Fais voir ton thermo, là. C'est quoi ce truc de merde? Attendez, les entités sont connues pour leur capacité à refroidir la zone autour d'eux, mais certaines pousseront les températures en dessous du point de gel. Lorsque vous parcourez un endroit, vous pouvez remarquer que votre haleine se met à geler. Donc je crois que maintenant, la buée avec la bouche, c'est dès que t'es en dessous de 4 degrés, mais ça veut pas dire qu'il y a la glaciale. Il faut que la glaciale, il faut que t'aies zéro. Il faut que tu sois en dessous de zéro, voilà, c'est ce qui est marqué là. Ok. Faut que j'aille où là? Ok, alors je sais pas. Ah, attendez, ça descend. Oh, c'est long sa mère. Attendez, je vais poser là. Je vais en prendre un autre. J'ai déjà les strates. J'ai déjà les strates. Là, ça descend aussi. Ah, mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Là, ça descend aussi. Il n'y a pas un moyen. Là, ça redescend aussi. Ok. Le meilleur thermo? Bah écoute, j'ai hâte. Bah les objets tiers-un, ils ont l'air tellement préhistoriques, mais je sais pas, je trouve ça trop cool. Donc là, ça continue de descendre, j'imagine. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas la buée là. Ah, attends, je regarde, je regarde. Tu vois, là, on est bloqué à 6. On n'a pas la buée, on est bloqué à 6. Là, ça remonte. Est-ce que là, ça descend? Attendez, là, ça descend. C'est ton thermo préféré, c'est vrai? Ça met ta patience à rude épreuve. Bah, je peux te dire que si tu joues contre un démon et que t'as ce fucking thermo, t'es pas dans la merde. Attends, alors attends, je suis à combien là? Attendez, ça continue de descendre là. Mais j'ai pas la buée. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est le meilleur thermo, c'est vrai? Eh, spoilez pas, hein. Ok, donc là j'ai la glaciale, mais j'ai pas la buée de mon perso. Alors peut-être qu'ils l'ont désactivé exprès pour pas qu'on trouve trop facilement. Ok. Ok. Et ils ont fait des efforts sur ce truc d'entraînement là. Alors, projecteur dots, ah oui, putain, oh putain. Pardon, excusez-moi. Et projecteur dots nous laisse voir certaines choses que la lumière normale ne peut pas nous montrer. Utilisez cette lampe
peut des fois nous révéler un petit bout du monde pas anormal. Plusieurs types d'entités, donc les dots on connaît. Donc maintenant apparemment, le tiers 1... Oh c'est trop stylé. Ah c'est trop stylé. Pardon. Oh. Oh c'est stylé. Good job. Merci beaucoup pour le tiers 3, Catlette. Oh c'est trop stylé. Alors attends, est-ce qu'on peut le poser à terre allumé? On peut le poser à terre allumé. Ah par contre, on y voit que dalle. Ok. Ouh, il y a moyen. À mon avis, avec celui-là, il y a moyen de speedrun. Quand une entité révèle sa forme d'hôte, elle marchera vers le joueur le plus proche. Donc déjà, tu peux déjà... Non, parce que moi, je vais trop vite. Tu peux déjà trouver la Banshee en multijoueur juste avec les dots. Donc maintenant, t'as les dots de la Banshee. Putain, c'est incroyable. Vous pouvez utiliser ceci pour faire en sorte que les entités plutôt timides viennent. Ok. Putain, c'est stylé. J'aime beaucoup. Alors, par contre, ça te sert absolument pas de lampe torche. Hein. Ça éclaire que dalle. Ok. Ça Théo direct. Ah bah oui, on a dit pas de spoil. Ensuite, hop, fantomatique. Donc ça, on connaît. Alors, fais voir la caméra tier 1. Non, attendez, c'est quoi ce truc? Attendez, c'est quoi cette caméra, là? Alors, autant les deux autres trucs, j'étais excité, mais autant... Mais c'est quoi ce truc de merde? Vous savez... On dirait les caméras de Wish, tu sais, celles que tu recharges avec un port USB. Les caméras qui ont des ports USB dessus, quoi. Mais comment ça, c'est rustique? Non, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde? On n'y voit rien là-dessus. Elle est où l'orbe? Nice work. Comment ça, nice work? J'ai rien vu! Attends. Hein? Là, là, là! Attendez. Vous avez vu l'orbe ou? Oh là! Attends. Non mais je... Non mais attendez, je vois pas l'orbe, elle est où? Là. Là, elle est là. Elle était là. Non mais... Ah oui, là. Ah ouais, non mais t'y vois rien. T'y vois absolument rien par contre. Hein. Alors attends, les boutons pour la poser, c'est toujours pareil. Hein. On est d'accord. Alors ça, je pense pas que ça soit la meilleure caméra du coup. Qu'est-ce qu'on a? Écriture fantomatique. Alors ça, je suis extrêmement curieux de savoir comment ça marche. Parce que putain, la différence entre un calepin et un carnet, je vois pas trop ce que c'est. Certaines entités vont interagir avec plus d'objets que les autres. Dans plusieurs cas, les entités sont connues parce qu'elles laissent des messages plutôt vagues dans des livres s'y laisser assez longtemps. Pour obtenir une preuve d'écriture, prenez un livre d'écriture et placez-le quelque part près de l'entité. Ok, ça, ça a pas changé. Si elle écrit, notez-le dans votre journal. Alors, on va en poser un là. Oh! Oh putain, on a le... Comme le cruci maintenant. On a le cercle. Ah putain, donc en fait le bouquin là, le calepin, t'as une zone d'interaction qui est beaucoup plus petite que les autres, j'imagine. Là il écrit. Alors attends, qu'est-ce qu'il écrit? Ah il a tout donné là. Ok. Alors attends, j'ai envie d'en mettre plusieurs pour voir un peu ce qu'il peut nous écrire là. C'est stylé, non mais c'est stylé. C'est stylé, j'aime bien. Ça change un peu le fonctionnement des trucs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est dans le tuto, il a écrit en 2 secondes, ou est-ce que l'écriture est toujours buggée, enfin, mais toujours de plombe? Ça, on verra. Merci énormément pour le sub, Stywander. Bienvenue dans la commune, bienvenue chez les gueux. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il écrit, là? Yeah. Ok, ok, ok. Ouais. Attendez, moi, je suis curieux. Ok, on la voit à peine, hein, l'écriture, quand même. Qu'est-ce qu'on a? Spirit Box. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, on dirait la radio de mon grand-père quand il écoutait la radio le matin sous la douche. Où êtes-vous? Ah, j'ai pas configuré mon micro. Ça se trouve, ça va prendre 2 plombes. Donc, la Spirit Box, je pense pas que ça ait changé grand-chose. Où êtes-vous? Machin, utilisez la prochaine. Ok. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Oh! Ok. Putain! Merci beaucoup pour les 1000 bits. Merci énormément. J'ai commencé le jeu il y a une semaine. Je comprenais pas les cauchemars du pauvre. T'avais pas tout ça. Ah oui, oui. Ah, attendez. Il était bien lancé, ouais. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ah, attendez, ça c'est mon micro. À tous les coups, mon micro il est fait avec le cul. Allô? Bonjour. Ok. Ok, le micro n'est pas reconnu. Allô? Bonjour. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Allô? Bonjour. Ah merde! On va y passer 2 plombes. YouTube, on revient.
Oh oui, YouTube, on est de retour. Le chat est en train de jouir. On a enfin réussi à faire marcher le truc. Alors, où êtes-vous? Où êtes-vous? Donc là, j'ai un petit point rouge qui s'allume. Où êtes-vous? Mais il n'y a pas de son, du coup. Ok, c'est juste s'il s'allume. Et... Je vais voir si j'essaye ici. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Donc là, la lumière est allumée. C'est pour ça que ça marche pas. Où êtes-vous? Ah bah si, ça marche. Attends, j'ai pas compris. Quand il y a un fantôme, ça s'allume d'une autre couleur, peut-être. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Non, ça s'allume toujours en rouge. Bon bah écoute, ça a l'air de... Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Spirit Box, donc là c'est d'où je viens. Wouh! Merci beaucoup à toi, jeune claqueur. Merci beaucoup. Ok, ça a pas marché. Ça a pas marché. Donc en fait, quand ça s'allume en rouge, il doit juste m'entendre en fait. Faut peut-être que ça s'allume en vert. Où êtes-vous? Non mais la lumière est allumée là, c'est pas censé marcher. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il y a un interrupteur, mais je le trouve pas. Il est où? Ah, il est avant. Ah putain, il est là. Bande de bâtards. Il est où? Oh, il... Où êtes-vous? Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Mais c'est quoi ça? Elle marche pas, la spirit! Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donc quand c'est rouge, c'est qu'il détecte rien. Mais où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Ça marche ou ça marche pas, là? Mais je comprends rien, ce matériel! Là, mais... Reviens dans la salle. Comment le couloir? Où êtes-vous? Il est là, il est là, il vient de faire une interaction. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Rouge, il t'entend. Mais pourquoi ça débloque pas la porte alors? Débloque-toi, je spoil pas. Alors attends. Donc là, on est d'accord, mon micro il marche. Parce qu'il a pas répondu. Vas-y, on va essayer le text to speech. Non, mais non, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie que ça marche. Quand le bouton est rouge, la question est détectée, mais t'as pas de réponse. Mais pourtant, je suis à côté de lui. Non, mais c'est quoi ce tuto? Ils mettent un fantôme qui a pas la spirite dans le tuto. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il faut éteindre la lampe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Ah, YouTube, t'es content de regarder la VOD, là. Oh, me dis pas que je suis pas en français. Attends. Et si je suis en français? Attends. D'Atari, comment ça, d'Atari? Ok, Atari One. Mais c'est trop vieux, moi, j'y jouais pas à ça, moi. Et pourquoi ça marche pas avec Windows? Pardon. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ok, donc ça vient de mon micro alors. Ça vient de mon micro, c'est pas possible. Putain, jeu de merde. Excusez-moi. Un jeu incroyable. Un jeu incroyable. Écoute. En anglais? Where are you? Où êtes-vous? Bah, c'est mon micro du coup. Ah, YouTube, on revient. YouTube, on est de retour. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Apparemment, la spirit box du tuto est buggée. Donc, bref. Ça se trouve, on fera une vidéo juste de l'entraînement. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Voilà, donc ça marche pas. Donc, on va se mettre en text to speech. J'ai la mort et j'ai la flemme. Ok, je spam. Il est pas ici. Il est où? Où êtes-vous? Allez là! Non, j'ai pas de réponse. Il doit être dans l'autre pièce. Est-ce que je peux éteindre la lumière ici? Yes. Techno way. Ok, ça a marché.
On resserra tout à l'heure. Non, non, on resserra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici? Chasse. Alors attendez, chasse, on sait. Accroupissez-vous derrière quelque chose d'assez grand et attendez que la chasse passe. Éteignez votre équipement. Ah, ça c'est bien, parce que ça, dans le tuto d'avant, tu vois, c'était pas expliqué. Là, enfin, c'est expliqué. Alors, est-ce que j'ai toujours le coup de main? Yes. Il a pas pis devant moi. Ok, c'est bon, j'ai. Oh, je déconne. Excellent. Putain, c'était la fin du tuto. Excellent. Bon, écoutez, le tuto sympa. Il a l'air bugué un peu du fion. C'était un obaquier, non mais bien sûr. La lettre devient blanche quand il te répond. Ouais, j'ai vu ça. Entrez dans le camion et partez. Bon, écoutez, c'était sympa. C'était sympa, c'est toujours mieux que le tuto qu'on avait juste avant. Heureusement, on y est arrivé du premier coup. J'aimerais bien quand même que ça marche maintenant, la voix. Bref, YouTube. Voilà, petit tuto des familles. Tu prends une petite page de pub. Et puis nous, on revient évidemment juste après pour notre première game sur une Tanglewood. A tout de suite, YouTube. YouTube, on est de retour. On va partir sur notre première game, évidemment, sur une Tanglewood. Si je vais dans le shop, j'imagine que j'ai pas de pognon. Ok, on débloque. On débloque avec les niveaux l'équipement. Ça doit être des allumettes, ok. On a toujours nos loadouts. Comment on débloque le prestige? Ça doit être là-dessus. Je sais pas trop comment ça marche. On va voir. On va déjà faire une game. De toute façon, j'ai que le matos de base. Hein. C'est la première game. Partie solo. Oula, attendez, c'est quoi ça? Merci beaucoup. Attendez, attendez. Je vais vous remercier pour les subs quand même. YouTube, je reviens. Non, mais la moindre des choses. Il faut remercier les gens qui soutiennent sur Twitch. Alors, comment ça marche ce truc? Ok. Alors, attends. Équipement non ajouté. Grade 1, grade 2, grade 3, équipement ajouté. Ok. Donc ça veut dire que j'ai une lampe. Une lampe UV, donc j'ai un de chaque. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont grade 1. Ok, donc j'ai... Ah ouais, donc c'est vraiment le truc du pauvre. Bah écoutez, on va essayer de faire ça en pro. On va essayer de pas crever sur notre première game, ce serait cool. On se met sur une Tangle et puis on est parti. Ah, je suis trop excité. Let's go. Let's go, baby. Let's go, baby. Le son du jeu, ça va assez fort? Oh, ça fait bizarre. Ah, attendez, on va tester la spirit tout de suite. Oh, attendez, c'est nous. Offline. Un capteur sonore, j'en ai pas. Là, il n'y a rien qu'à changer. Rien qu'à changer. Ok, là, il n'y a rien qu'à changer. Ok, juste le matos. Putain, elle est toute petite, cette caméra. Où êtes-vous? Ah, mais elle doit pas marcher à l'extérieur. Alors, on va prendre la lampe. On va prendre la lampe et... Tu sais quoi, on va faire comme d'habitude. La spirit, on verra après. Elle était où, la spirit? Oh, je sais même plus où elle était. Elle était là. Thermomètre. Let's go, baby. Let's go, baby. Merci beaucoup, Saraxio, pour le troisième mois. Merci pour les 500 bits KDS. Merci énormément. Merci, Super Nana. Alors. Oula, ça lag. Oula, ça lag. Non, mais attendez. Est-ce qu'ils arriveront à faire une mise à jour où le jeu lag moins qu'avant? Ok. Ok, ça commence. Oh, le jeu lag du cul, quoi. Ok. Putain, on n'y voit rien avec cette lampe à la con. Oh, la télé. Alors, je crois que maintenant, les cauchemars peuvent allumer la télé. Il a allumé ou éteint une lumière. Ok. C'est pas lui qui a allumé la cave là? Si. Attends. Je vais aller chercher le reste du matos vite fait. Attendez, attendez. Putain, je sais plus comment on joue. Je sais même plus où sont les interrupteurs. Moi j'ai le jeu qui lag vite fait. Il y a des drops de frame. Là, tu l'as vu? Attends. Tac. Tac. Comment tu vas, Jake Crow? Tu vas bien? Merci beaucoup, Tenchio, pour les 100 bêtes. Alors. Question performance, disons qu'on attend tous l'incroyable mise à jour pour remédier à ce souci. Bah, je te comprends. Là. Là, il y a une empreinte. Donc là, si je change de... Ah, on la voit encore! Et là, elle dit... Oh, petit à petit! Ça, c'est trop cool, par contre. Oh, putain! Calmez-vous! Ça va passer, calmez-vous! Oh, c'est stylé, ça, j'aime bien. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. On a l'écriture. Ultraviolet, pardon. Où êtes-vous?
Donnez-nous un signe. Ok, j'ai un souci de micro, ça marche pas. Où êtes-vous? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en texte pour cette partie YouTube. Et puis, j'essaierai de régler ça plus tard parce que j'ai pas envie d'y passer non plus. 40 ans, on va se mettre en texte. Ok, j'ai pas de réponse. On va reprendre ça, là. Ok, il a pas l'air d'être là. Est-ce qu'il est en bas? Putain, tu m'as fait peur. Merci beaucoup, Super Nana, pour les 666 bits. Ok, là, ça remonte. Ah, mais en fait, il y a moyen de trouver la salle du fantôme. Cher vite avec ça. Tu regardes si ça monte ou ça descend. Là, ça bouge pas. Là, ça descend. Ok, c'est là. Ah, mais tu peux trouver la salle assez vite. Ok. Est-ce que je peux faire... Ok, j'ai pas de réponse. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de spirit pour l'instant. On va laisser faire le thermo, voir si on a la glaciale tout à l'heure. On sait déjà qu'on a l'empreinte. Au niveau de l'EMF, pour l'instant, j'ai pas vu d'EMF à 5. Ok, let's go. Non, la lumière, là. Exactement, c'est le meilleur thermo, mais ça a l'air. Ça a l'air, en tout cas. Incroyable. Putain, il nous reste... Dans 10 viewers, on est 1000. Bon, vous savez que le record de cette chaîne, c'est 992. Vous vous rendez compte? On va voir les dots. Je suis très curieux des dots. Et let's go. Pas de MF pour l'instant. Alors, votre avis, la première entité. Petite ombre. Allez, petite ombre, pour bien commencer. Comment tu vas, Kenny? Tu vas bien? Comment tu fais pour avoir les questions sur la Spirit Box? C'est très simple, il suffit d'aller dans audio. Non, dans jeu. Mode de reconnaissance vocale, tu te mets en texte. Alors, attendez, est-ce qu'on y voit quelque chose avec ça? J'aime beaucoup le petit effet vert là. Ça m'a manqué. Un peu à la Ghost Adventure, tu vois. Ok, là je vois rien. Je vois rien. Au niveau de la. On n'est pas en dessous de zéro, donc on n'a pas la glaciale. Et les dots. Alors les dots. Je sais pas comment ça marche. Alors. Je vais aller poser l'écriture. Un cauchemar qui t'allume. Ouais, un cauchemar, histoire d'avoir un cauchemar qui allume la télé maintenant. Je trouve ça dommage qu'il l'ait enlevé. Merci beaucoup, Alesk. Pour le sub, bienvenue dans la commune, bienvenue chez les gueux. Je trouve ça dommage qu'ils aient enlevé le cauchemar qui puisse plus allumer la télé. Je trouverais que c'était une feature vraiment sympa. T'as regardé ta vidéo tuto pour rappeler des fantômes? Pas du tout, j'y vais à l'aveugle là. Alors. Ah oui, faut que je fasse ma centaine. Non mais calmez-vous, c'est bon. Ah, attendez, non, on n'est pas sur du zéro encore. Ok, on va reprendre les dots parce que les dots, je sais pas trop comment ils fonctionnent. Où êtes-vous? Ok, il a bougé un truc. Là, c'est pas un EMF5, on est d'accord. C'est pas un EMF5 ça. Où êtes-vous? Je vais retester la spirit. Elle est où ma spirit? Elle est où ma spirit? Ça y est, je commence déjà à perdre mon matos. C'est bon. Non, j'ai rien. J'aimerais bien avoir les dots parce que je sais pas trop comment ils marchent. Salut, Peace and Love. Je sais pas trop comment ils marchent. Ok, il a rallumé une lumière. Celle-là, du coup? Celle-là? Ah oh putain, je suis con, c'est pas la lampe UV que j'ai. je sais plus jouer. Allez, prends-le. Fils de bleu. Tu mourras pas. Ok. Oh, j'ai l'impression de jouer au jeu pour la première fois, c'est fou quand même. Ok, j'ai toujours une empreinte ici. Alors attends. Mais arrêtez de spoiler dans le chat. Non mais c'est fou ça, laissez-moi découvrir. Non, non, il n'y a pas de EMF5. Là, il a touché la porte. Ah là! Donc ça, c'est EMF5 là. C'est aller au maximum. Attends, je vais aller voir dans le camion. Ça, ça doit être un EMF5, j'imagine. Merci beaucoup, Super Nana, pour les 200 bits. Check à moi ça, la rafale. Mais moi aussi, je suis content, Sugar, de vous retrouver. Ah oui, d'accord. Ok. 69%, nice. Donc là, on a l'EMF5. Ok. Ok, ok. Ah oui, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Qu'est-ce qu'on a? Jean, Goryo, Baquet. Ah mais attends, comment je fais le Goryo Attendez. Je lis pas le chat, de toute façon. Je sais que ça spoil un peu dans le chat. Alors.
Attendez, si c'est un Goryeo, ça veut dire qu'il faut qu'on mette ça ici. Il faut qu'on pose le dot de merde, la tier 1. Je l'ai mis où? Ah, ça y est, je sais plus où je l'ai mis. Dans ma main. Et donc, je suis obligé de le poser. Je suis obligé de... Ah, événement paranormal. On va éviter de le prendre, ce serait cool. Ok. Parce que là, le Goryeo, je peux pas le voir. Vu qu'il met pas les dots quand t'es dans sa pièce. Donc, je suis obligé de le poser ici. Ouais, mais attends, est-ce qu'il met les dots quand t'es pas dans la baraque? Vu que les dots sont changés maintenant. Oh, troisième preuve du Goryeo, c'est les dots. La spirit, je l'ai pas eu. La glaciale, je l'ai pas. L'obaquier, c'est l'empreinte. L'orbe, je l'ai pas vu. Et l'écriture, j'ai pas l'air. Faut que je re-regarde. Alors, attends. Je vais voir. Ah, t'arrives à voir le truc quand même. Est-ce qu'il peut mettre les dots sans qu'il y ait personne dans la salle maintenant? Dites-moi juste oui ou non. Ouais? Ok. Ben parce que comme il est censé marcher vers le joueur, tu vois, je me suis dit peut-être que si le joueur n'est pas dans la salle, il peut pas te mettre les dots. Mais oui, il peut te les mettre. Ok. Merci beaucoup Shizuka pour le 16e mois. Ok, je vais aller voir l'écriture. Je vais aller voir l'écriture. Je suis à combien? 65. Je vois pas les dots. Je vois pas les dots. Ouais, ouais, ils ont pas l'air très très fiables, les dots. Je vais quand même aller voir l'écriture. Pas d'écriture. Alors là... Allô? La spirit, là? Non, y a pas la spirit. Pas la spirit, pas l'écriture, mais c'est forcément un Goryeo. Merci à vous les modos, vous êtes des perles. Ah mais c'est des perles. C'est des perles, c'est des perles. Alors attends, le MF5, j'ai pris ça. Mais c'est forcément un Goryeo du coup, attendez, on va attendre. On va attendre. On va attendre, je vais vous lire en attendant. Merci beaucoup Emilouchou pour le Prime et le 11e mois. Je vais claquer Maoli moi aussi. Incroyable, y a pas eu d'orbe à la cam. Mais c'est vrai que j'ai regardé vite fait les orbes, faudrait que je re-regarde. Mais tu, on y voit rien avec cet écran, on dirait un Tamagotchi. Putain, merci du follow poulet. En fait, je suis curieux de voir à quoi les dots ressemblent, parce que les dots, c'est plus... Oh! Dommage. Oh. C'est peut-être l'orbe. Il faut que je regarde l'orbe. Faut que je regarde l'orbe, en vrai. Ah, parce que là, je vois pas de dots. Petite galère dès le début. Il t'enlève combien de santé mentale, le djinn, pendant l'événement? Bah, un événement comme les autres, quoi. Ça dépend s'il fait son pouvoir ou pas. Mais attends, faut que je trouve une planque. J'ai même pas regardé quelle planque j'avais. J'ai même pas regardé l'objet maudit. J'ai une planque là. Ok. Ce serait con de mourir sur la première game. Je vais regarder l'orbe, hein. Écoute. Le problème, c'est qu'on voit rien, quoi. Attendez. Moi, je pense que c'est les dots. Il a même pas changé de salle depuis le début. Putain, tu m'as fait peur, enfoiré. J'ai la planque ici. Il va nous chasser. On a quoi? On a la poupée. Je vais pas m'en servir tout de suite. Je sais plus jouer au jeu. Mais non, mais c'est les dots. Je vois pas d'orbe. Non, c'est pas une chasse. C'est un événement. J'ai quand même toujours les bons réflexes. Il est... Par contre, là, il va chasser. Qui va mourir? Est-ce qu'on loupe le fantôme? Allez, let's go! Ça fait 5 semaines, j'ai pas joué, on va mourir! Ah! Arrêtez! Bon, ça va, il y a toujours des restes. Ouh! Il y a toujours des restes. Mais il va falloir s'entraîner un peu quand même. Hein. Ok. Bon, le problème, c'est que... Les dots là, pourquoi il nous les met pas? C'est un événement, calmez-vous. C'est un événement. Il a pas écrit. Il a pas changé de salle. J'ai pas la spirit. C'est forcément les dots. Arrête de toucher les portes. Putain, on tombe sur un Goryeo première game, quoi.
Ok. Où c'est que je me fais mind game là? Je me fais mind game, non? Est-ce que vous pensez que c'est les dots, chat? Est-ce que vous pensez que c'est dots? Comment tu vas, ma. Oh, rue, tu vas bien? Je t'ai découvert par hasard sur YouTube et t'es là. Mais ça fait plaisir. Des bisous à toi. Et des bisous à YouTube surtout. Oui, non, non, non. Dots. Goriot, Portophile, oui, non. Bah, déjà, c'est pas l'écriture. Easy game, bien sûr. Vous voulez qu'on attende? On attend si vous voulez. Et les dots sont très rares, je trouve, maintenant. Galère à avoir en solo, c'est vrai? Bah, écoute, on va voir. On va voir. Vous m'avez dit qu'on peut avoir les dots comme ça. Température? Mais non, attends, j'ai checké. J'étais pas en dessous de zéro. Faudrait que je recheck. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 20 secondes. Là, on va rentrer, il va chasser. Ok. On va se cacher. À la fin de la chasse, on a 25 secondes où il peut plus chasser. On va regarder s'il y a l'écriture. Et on va regarder s'il y a là. Comment t'appelles ça? La température. Ok. Allez, 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 allez. Allez, baby. Mets-nous les dots. Mais bon, un Goriot en solo, le Goriot, tu peux pas voir les dots. Tu peux voir les dots qu'il y a à la caméra. Et il faut pas être dans sa salle, donc. Non, mais la buée maintenant, c'est à partir de 4 degrés. La buée, ça veut plus dire température glaciale. Je l'ai eu qu'une fois et c'était à peine visible. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, si, il a... bah, si vous voulez, on peut voir s'il a changé de salle. Hein. Ça, c'est facile. Hein. On regarde d'où la chasse part. Si la chasse, elle part d'une autre salle, c'est qu'il a changé de salle. Vite, un titre putaclic. On est parti. Il a pas écrit. On n'est pas en dessous de zéro. Ah non, c'est les dots. Hein. C'est forcément les dots. Là, ok, j'ai le play. Il a popé salon. On va voir s'il accélère. Non, c'est une mauvaise idée. Il cave. Comment tu vas fond? Tu vas bien? J'ai vraiment l'impression de plus savoir jouer, c'est un truc de ouf. Non, non, il est pas couloir, il est salon. Non, non, il a pas écrit, je suis pas bigleux. Comment je pourrais faire pour avoir les dots? C'est pas possible. Attends. Moi, je partirais sur Goriot, mais suis ton instinct. Non, bah attendez, on va pas se gorer première game non plus. Par contre, les dots, ils sont pétés, hein. Les dots tier 1, si c'est dots... Comment tu fais pour voir les dots du... Attends. On va tenter un truc, tant pis. On va tenter le djinn. Il chasse du même endroit. On va voir s'il accélère. Non, c'est pas un djinn, hein. C'est pas un djinn. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'un djinn. Il accélère normal. Donc il y a bien pas la glaciale. Au niveau des bruits de pas, je dirais pas miling. Je trouve qu'on entend quand même assez bien les bruits de pas. Je pense que c'est les dots. Le baquet, je l'ai pas vu changer une seule fois. Faudrait qu'on refasse une chasse. On voit bien qu'il est ici. Je vois pas d'orbe. Pour moi, c'est les dots. Mais comment tu veux avoir les dots, en fait? Comment je pourrais avoir les dots avec un Goriot? Je suis obligé d'aller dans le camion. Je suis obligé de les mettre là et d'aller dans le camion. J'ai pas le choix. On est 1000! Incroyable! Merci à tous. Générique. Non mais attendez! Non mais attendez! Putain! Qu'est-ce qu'on fait? On met Goriot, on se barre? Là, s'il y a d'autres, je suis censé les voir, bordel! Écoute bien les bruits de pas pour le baquet. Ah, ça y est, ça commence déjà à spoiler. De toute façon, tu vois que à travers la cam. Bah, le Goriot, tu vois qu'à travers la cam, mais j'aimerais bien les voir quand même! Champagne! On peut dire qu'on y fut. Tout à fait. Faut pas poser le stylo des dots sur le canapé, genre histoire qu'il couvre plus. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre? On se barre? Myling, ça m'étonnerait. Mais bon, ça fait un mois et demi que j'ai pas joué. Si c'est Goriot, ce serait cool de voir les dots. Bah oui, c'est pour ça que j'essaye de forcer un peu le truc, mais... Il est là. Il a bougé un truc, on est d'accord? Il est là.
Mais nous les dots, enfoiré. Les dots, c'est mal foutu. J'ai mis 10 minutes à avoir un dots. Oh putain, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse ou pas? Chat. Chat, dites-moi. Est-ce qu'on se casse? On va refaire une chasse. On va refaire une chasse pour tester l'obaquier. Vous savez quoi? Allez, on est bon, on est joueur, on est bon, on est 1000. Let's go. On va faire une chasse où on va louper le fantôme autour de la table du salon, de la cuisine. Et à couper le courant. Cet enculé a coupé le courant. Je vais mourir. J'entends rien. Il est où? Il est là. Il a popé dans la même salle. Non, c'est un goriot. Attends, attends, attends. Chut! Taisez-vous! Je le vois pas changer, moi. Par contre, il aime bien toucher les patates. Ah, mais c'est un goriot, il a pas changé de salle depuis le début. Bon, j'arrive toujours à louper le fantôme, ça c'est cool. C'est un goriot. C'est un goriot! Allez, on se casse. On aura bien un autre fantôme avec les dots, on verra à quoi il ressemble. Mais là c'est pas possible. C'est pas possible! Oh putain, incroyable. Nouveau record, mesdames et messieurs. Incroyable. Merci à tous, je n'ai jamais douté, je mets goriot. Si c'est un mimique, la vidéo est finie. Non mais attendez, mets-nous les dots! Pardon. C'est peut-être un mining. Ouais, bah écoutez, si c'est un mining, il a pas mis l'écriture. C'était un goriot, baby! Alors, on n'a pas vu les dots. On n'a pas vu les dots. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci à tous. Merci YouTube. Merci à tous. On a dépassé les 1000 viewers, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Vous aussi, vous m'avez manqué. Vous avez même pas idée. Qu'est-ce qu'on a appris sur cette game? On a appris que les dots tier 1... C'était quoi ce bruit? Oh! Appareil photo. Attendez, je débloque des trucs. Appareil photo. Attendez. De l'argent ? Détecteur de mouvement, ok ? Et on a appris que les dots tier 1, c'était de la merde. Mais vraiment, et j'aimerais bien quand même voir les dots. On a fait 1000$ de pognon, on est passé niveau 5. Ça fait plaisir, découvrir le type d'entité. Eh ben écoute, YouTube, tu te prends une petite page de pub, et nous on continue. A tout de suite, YouTube. Pub ! YouTube, on est de retour, on a débloqué des trucs. On a du pognon, est-ce qu'on pourrait en acheter ? Appareil photo. Vous pouvez utiliser cette caméra pour prendre des photos, ok? Elle va interférer avec l'entité. Plus d'informations sur comment prendre une photo dans la section photo. Non mais, je sais prendre une photo. Temps entre les photos élevé. Ah, on peut déjà se spoiler niveau 25. Niveau 70. Ah ouais. Non mais attendez. On pourrait regarder, on pourrait prendre 20 minutes pour regarder tous les nouveaux objets. Ce serait fou ça. Ça c'est du contenu. Alors attends, je vais en acheter un. Acheter, j'ai en acheté 3, je suis un ouf. 120. Trépied, comment ça trépied? J'ai débloqué le trépied. Capteur de mouvement, je vais en prendre 4. J'achète tout moi. Ah attendez, il y a des consommables aussi maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des consommables, des trucs qui disparaissent ou je sais pas quoi. Il est où le trépied? Le saint trépied. Je dois pas l'avoir, pourquoi j'ai un trépied là? Je comprends pas. Bon bref, c'est pas grave. Alors, est-ce que... Non. Par contre, le marché, je comprends toujours pas comment il marche. Hein. Tout. Ajouter, ajouter. Et donc là, maintenant... Ok, là, j'ai le truc. C'est quoi, ça? Équipement ajouté. Ah, donc... Ok, quand c'est souligné, c'est que c'est toi qui as mis l'équipement. Ok, ok, ok. Regarde pour les dots. C'est une bonne idée. Ils sont où, les dots? Là. Projecteur portable, utilisé près de l'activité. Ouais, mais de toute façon, on avait un goriot, on pouvait rien faire. Bon, écoutez, on va refaire une game et après, on regardera les objets un par un parce que je suis quand même assez, assez chaud. On va rester sur la Tangle. On va rester sur la Tangle. Et puis voilà, let's go, en espérant quand même avoir un fantôme qui a les dots, mais qui les montre, eux. On est parti. Des bisous à ceux qui vont se coucher. Alors... Attendez, donnez-moi 5 secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'appareil photo. Oh, ça a l'air... Il a l'air éclaté. Il a l'air éclaté. Let's go. J'ai même pas regardé à qui... Oh, Olivier! Eh ben voilà, des bisous à elle. L'électricité, elle est là. Ok, faut que je reprenne les bons réflexes et tout. Hein. Putain, ça fait longtemps. La lampe puissante, j'ai même pas regardé quand c'est qu'on la débloque. On est parti. Le gros Polaroid, ouais.
Ah bah attends, je vais commencer appareil photo, ouais. Ah mais non, ça marche plus maintenant. On peut plus prendre les empreintes en photo et tout maintenant. Ah ouais. Ok, let's go. Le courant, est-ce qu'on a la planque ici? Yes. Alors. On a la Ouija. Ok. Je vais tester l'appareil photo sur la Ouija. Alors en fait, j'ai l'impression que dès que le thermo diminue, on a direct la pièce du fantôme. Ça a l'air cheaté comme truc, ça. Ça a l'air cheaté. Parce que là, regardez, c'est à 16 degrés ou 17 degrés en permanence. Et il a l'air cheaté, le tir 1. Là, ça baisse pas. C'est pour ça que c'est votre préféré à tous. Là, ça descend pas. Ah, j'ai entendu des trucs. J'ai entendu des trucs. Là. Regardez, ça descend instantanément. Ah ouais, bah du coup, c'est forcément là. Non, mais attendez, il est surcheaté ce thermo tier 1 là. Il est cheaté du cul. Regarde ça. Wow, calme-toi, Jean-Thierry. Oh, il m'a fait peur. Non, mais attends, c'est cheaté. Je comprends que ça soit votre meilleur thermo. Merci beaucoup Camou pour le 13e mois, merci Falco. Va falloir que je vous remercie entre les games. Je vais prendre la spirit et l'appareil photo. Vas-y, on va tester l'appareil photo. Oh, j'aime bien comme il s'ouvre le petit clapet. Ça manque d'un petit bruit, mais c'est stylé. Je vais aller prendre la Ouija en photo. Comment tu vas Camou? Comment ça va chat? Vous avez la forme? Alors... Comment ça marche? Sympa le petit bruit. Donc là, photo. Oh, la qualité est dégueulasse. Excellent. Combien on a de photos là-dessus? C'est pas marqué. On va tester. On va essayer de remplir le... Trouver l'os peut-être. On va essayer de remplir. J'ai pas vu l'os. Bon, on prendra des interactions en photo, c'est pas grave. C'est Sadako? Je sais pas si c'est Sadako, on va voir. Alors, on peut plus prendre les bougies. C'est ce que j'avais vu dans un patch note. On peut plus prendre les bougies. Putain, cette merde. C'est vraiment la merde. Ok. Est-ce qu'on a la glaciale? On n'a pas la glaciale. Ok. On sait pas s'il est amical ou pas. Toujours pas. Ah, attendez. L'interaction. Quelle porte il a touché? Attendez, quelle porte il a touché ce con? Allô? Ici? Ah putain, on a tous les casiers. Est-ce que l'os est là, tiens? Il n'y a pas eu des soucis comme quoi l'os, il était bug... Ah, bonjour. Donc j'ai pu faire deux photos. Bon, bah pour l'instant, deux photos. Ok, on va chercher le reste du matos. Des bisous tout le monde, des bisous à ceux qui vont se coucher. Allume le MF. Il était éteint? Ah oui. Bah, non. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Oh mais non, mais c'est pas possible d'être un branlot quoi. Tu voulais pas spoil? Non, allumer le MF, ça va, c'est pas du spoil. Oh mais quel sac à merde. Ah ouais, non mais là c'est illégal de faire ça. Non mais attends. Eh ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Apprends à jouer à Fastmo avec Mister T-Wood. Bientôt le tuto sur la chaîne, hein. Bientôt les 20 000 abonnés d'ailleurs. Merci à tous. Ah, empreinte. Donc là, attendez, il faut que je charge l'empreinte. Donc là, elle est chargée, je la prends en photo. EMF, j'ai quoi? Juste un EMF comme ça. Tester la spirit. Y a personne. Ok, donc là, j'ai quoi? J'ai l'ultraviolet. Pour l'instant, j'ai que l'ultraviolet, c'est ça? Je vais poser ça. Température. Attendez, la température remonte. Ah, mais attendez, si la température remonte, ça veut dire qu'il a changé de salle. Donc en fait, il est surcheaté. Ouais, 5 semaines, c'est beaucoup. Il est surcheaté, le thermo. Dès que ça baisse, tu sais qu'il est là. Dès que ça monte, tu sais qu'il est pas là. C'est absolument cheaté comme truc. Ok. Je vais aller chercher la caméra.
C'est plus que c'était le patron. Non mais 5 semaines, vous vous rendez compte ce que c'est 5 semaines? Oui, il faut que le courant soit allumé. Alors attends. La caméra. Caméra et dots. Bah là, si c'est orb et dots, banshee. Ok. Tout est calculé, c'est de l'entertainment. Bah bien sûr, non mais évidemment, faut bien faire des erreurs dans la vie. Température, c'est pas uniquement en dessous de zéro. Non, ça c'est la glaciale, ouais. Mais si la température est basse... Ok, orb. Je l'ai vu, là. Elle est où? Là. Ok, orb. Ça c'est fait. On va prendre l'interaction en photo. Et on va essayer de prendre l'empreinte. On va la charger vite fait. Oh, je peux le squee! Oh oui, 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 oui! Oh, on peut squee maintenant. Donc là, j'ai combien de photos? 5. Donc là, je peux plus en prendre normalement. Si? Vite, vite! Oh, sale! Oh, sale! Sale! Attendez, c'est infini les photos? Attendez, les photos sont infinies. Les photos sont infinies. Qu'est-ce qui va nous mettre les dots? Une banshee, ce serait bien, parce que du coup, comme elle nous suit, on a forcément les dots. Attends. Ouais, je suis excité. Hein. C'est... Bah, ça peut pas être un en tout, on n'a pas la glaciale. Attendez, t'es en train de me dire que les photos sont illimitées? Mais c'est trop bien. Donc maintenant c'est comme ça, les photos sont limitées, c'est juste que tu peux prendre des photos moins vite. Ok. Bah écoutez, ça me va. C'est stylé. T'as le pas... Non, non, mais attendez, je viens de commencer le jeu, c'est ma deuxième partie, j'ai pas tout débloqué encore. Merci énormément Kagutsu, Comics et Lozio. Merci beaucoup. Ok. Bon bah écoutez, moi je pars sur Banshee. Qu'est-ce que ça peut être? Spirit j'ai pas, glacial j'ai pas, écriture j'ai pas. C'est possible d'avoir les dots en dehors de sa salle? Normalement oui. Ah, tu peux les poser comme ça aussi. Oh. Bon, il n'y a pas de spirit. Ah mais attendez, j'ai des capteurs, je peux voir si s'il est dans la salle. J'ai rajouté des capteurs je crois. Coupe ta lumière, tu vois mieux les dots. Ok, merci de l'info. Ça fait plaisir. Température, non. Il n'y a pas de MF5. Ouais, je pense que c'est Banshee. Je pense que c'est Banshee. On va mettre la caméra au cas où on voit les dots. Attendez, les capteurs. Les capteurs niveau 1. Ok, les capteurs niveau 1, c'est les capteurs normaux. Ah, le nouveau dots, autant il est bien parce que tu peux te déplacer avec le dots dans la main, autant... galère. Oh, il y a des lasers! Oh, c'est trop bien! Putain, mais je suis un gamin, c'est un truc de ouf. Oh, trop bien le coup du laser. Stylé, méga stylé, j'aime beaucoup. Eh, la lumière, tu vois, elle s'éteint vachement vite. Là, il est dans la salle. Là. Pourquoi il nous met pas les dots? Parce que c'est pas les dots, c'est ça? C'est la glaciale. C'est la spirit, pardon. Ok, donc en fait... Attendez. 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 Attendez, attendez, mais il y a un souci là. Oh, le mimique du cul. Et pourquoi il met pas la glaciale si c'est un mimique du cul? Oh, on a failli se faire mimiqued. Et pourquoi j'ai pas la glaciale? Tu peux cliquer dessus. Cliquer sur quoi, le détecteur? Ça peut mettre du temps. Non mais attends, ça fait combien de temps que le thermo il est dans la salle? Oh, j'ai failli me faire mimiqued. Ou alors il a changé de salle. Il est où le thermo? Je suis pas en dessous de zéro là. Là ça remonte. Attendez, là ça remonte. Là ça remonte. Mais non, mais je suis dans la bonne salle. Là ça redescend. Il y a des bugs sur la glaciale. La glaciale, moi c'est rapide.
Mais non, mais là c'est forcément un fucking mimic, vu que j'ai spirit. Regardez, je suis à 4, mais je suis pas à 0. Attendez. La température, c'est aléatoire. Comment ça? Ben non. Le dernier mimic que j'ai eu, il n'y avait pas de glacial. Quoi? Attendez. C'est quoi ce délire? La glaciale, tu l'as de suite? Ou ça met une plombe à venir? T'es sûr de l'orbe? Mais oui, je suis sûr de l'orbe, 100%. Eh ben, on revérifie l'orbe. La glaciale, ça met du temps. D'accord. Si, il y a l'orbe. L'orbe, elle y est, c'est sûr. Et c'est pas un polter. L'orbe, on l'a vu, 100%. On va prendre des risques. On est des ouf. Là, il se prend pour un taillé, ça tombe bien. Regardez, l'orbe est là. Il a même pas changé de salle, l'orbe est là. Pourquoi j'ai pas la glaciale? Regardez, là, ça redescend. C'est pas normal, ça. Attendez, on m'a dit que je pouvais... Oh, je peux désactiver ou activer le laser. Putain, c'est trop bien. Comment on sait qu'on se fait mimique? Bah, parce qu'on a orbe, spirit, et... Oh! Enfin bref, on a des preuves qu'on n'est pas censé avoir. Non, je pense pas que ça dépend d'où je mets le thermo. Attends, j'ai envie d'avoir le cœur net. Le mieux, ce serait qu'il chasse et qu'on ait une vitesse de pas différente. Attendez. Ah non, regardez, ça remonte. Mais non, je suis pas à zéro. J'ai eu la glaciale sur un jean. Ah, la glaciale buggée sur un jean. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse ou on tryhard? Oh, attendez, c'est nouveau ce bruit, non? Oh, j'ai eu trop peur. Bon, bah écoutez, on n'a pas la glaciale. On n'a pas la glaciale, pas l'écriture. On a la spirit, c'est sûr. On a les empreintes, c'est sûr. Et on a l'orbe, c'est sûr. Donc c'est forcément la glaciale. Mais pourquoi? Tu vois, là, il est à 2. Pourquoi il nous la met pas? Je comprends pas. Écoutez, on se casse, on met mimique. Eh ben, dis donc. Mes deux premières games, assez spéciales, hein. C'est nouveau, il y en a qui explosent les oreilles, d'accord. Petit EMF5 bien sympathique. Bon, bah on n'aura toujours pas les dots. Regardez, l'orbe est là, on la voit. Elle est où? Attends, on la voyait. Bon, bah écoutez, on se casse, hein, mimique. On a failli se faire mimiquer. Donc, comment t'as fait ça? La glaciale est buggée. En tout cas, sur cette game-là. Les objets comme la lampe UV ne produisent pas de chaleur qui perturbe... Je pense pas. Ce serait trop ouf. Et puis ça produit pas de chaleur, hein. Ouais, c'était bien, Mimic. Goryeo, Mimic. Incroyable, mesdames et messieurs. Goryeo suivi d'un Mimic du fion. Écoutez, on a quand même réussi à trouver. On fait combien de niveaux, là? Ah oui, mais c'est plus 100 d'XP, maintenant. Est-ce qu'on débloque des trucs? Attendez, est-ce qu'on débloque des trucs? Ah, j'aime bien. Donc ça, c'est dès qu'on passe un niveau, on a un petit bruit de micro-ondes. Ça, j'aime bien. La glaciale, c'est à partir de 5 degrés. Non, c'est à partir de 0. C'est la buée avec la bouche qui est à partir de 4 degrés maintenant. Eh ben, écoutez, ça s'est bien passé. On n'a rien débloqué. On n'a absolument rien débloqué. YouTube, toi, t'as débloqué une petite page de pub. Et puis, on se retrouve évidemment juste après. À tout de suite, YouTube. On est de retour, YouTube. On va essayer une Willow et on va essayer en cauchemar. Première fois qu'on va faire une game en cauchemar. On n'a pas vraiment de matos. À mon avis, ça va être assez compliqué. On est parti, mesdames et messieurs. Première game en cauchemar. Ah ouais, donc il n'y a plus moyen de farmer les niveaux maintenant. Enfin si, mais c'est plus long. Ok, cauchemar. Faut que je me souvienne comment on joue. Hein. Joséphine. Oh, j'aurais bien aimé débloquer la lampe UV quand même dès le début. Ok, on va essayer le même starter que je faisais avant de jouer. Oula, il y a toujours des lags. C'est quand même fou qu'ils n'arrivent pas à optimiser ce jeu-là au maximum. Comment tu vas, Crolax? Tu vas bien? Alors, cette fois, j'allume le MF. Voilà. Je suis au courant, j'allume le MF. Alors, j'ai entendu un truc à la cave. Tu vois, les habitudes commencent à revenir, là. Je me souviens. Par contre, on y voit que dalle. Il me semble avoir entendu... Voilà, ça. La photo. Ah, le MF ne reste pas allumé. Avant, il restait allumé. Là, t'es obligé de l'allumer à chaque fois.
Ok. Ok, je vais remettre le courant. Est-ce qu'on a les poubelles? On a les poubelles. Ok, on a les poubelles. Attends, mais du coup, en fait, le thermo, c'est trop un bon starter maintenant. Il faut starter thermo, je suis con. C'est limite mieux que le MF, merci beaucoup Anel. Vive les saintes poubelles. Pour ma part, je suis content de te revoir, mais moi je suis content de vous revoir aussi. C'est quand même un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf. Mais vraiment, ça m'a vraiment manqué. C'est là que tu vois à quel point j'adore ça, c'est qu'au bout de 2 semaines de vacances, j'étais déjà en mode « c'est quand que je rentre ?» Je suis content d'être en vacances, tu vois, mais putain, ça m'a manqué de ouf quand même. Thermo, Spirit. Alors ça va, j'ai pas dit trop de conneries ce soir. J'ai fait des conneries, mais j'en ai pas trop dit encore. Des bisous, Rage Prime. Là, je commence à être bien fatigué. Hein. Pff, avec le décalage horaire, ça me défonce, vous avez pas idée. Et puis tu sais, tu manges à des heures où t'es pas censé manger, enfin bref. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ça remonte. Là, ça descend. Donc potentiellement la salle du fantôme. Ouais, est-ce que là, ça remonte? Là, ça remonte. Non, mais c'est cheaté, c'est tellement cheaté. Et là, ça remonte. Non, mais c'est une dinguerie, c'est à remettre. C'est une dinguerie! Éteins la lumière. Ok. Ok. Alors j'ai pas l'habitude de jouer en text to speech, hein, donc je sais pas si c'est la bonne méthode. J'essaye quand même. Hein. Non. Oh. Ok, il est là. Bon, il a l'air d'être fan de Fatboy Slim. C'est où déjà? Ça y est, je perds du spirit. Spirit. Là, on a quoi? On est toujours pas en dessous de 5. Là, ça remonte. Ok, donc on a un fantôme qui se balade. Là, je reste en texte parce que j'ai un souci de micro, mais je pouvais pas le régler avant le stream parce que je pouvais pas lancer le jeu en fait. Donc je le réglerai après le stream. Comment tu vas, Lucas, tu vois? What about now? The funk song, Rob. C'est un truc comme ça à peu près, hein, on est d'accord. Hein. Des bisous, petite crêpe. Alors attendez. On a la Spirit Box. Salut, Maud. On a la Spirit Box. On va regarder ça. Et ça, j'aimerais bien avoir les dots. À quoi ressemblent les dots? On peut pas finir ce stream ou cette vidéo tant qu'on n'a pas vu les dots. Ouais, c'est un truc dans le genre. Right about now. Function rhythm. Moi, j'aime bien qu'ils changent les bruits, qu'ils changent des trucs. Alors. Mais du coup, si on est tout en tier 3, ça doit être cheaté. Ça doit être vraiment cheaté. Où êtes-vous? Et du coup, je peux pas le teaser en lui parlant si mon micro est pas reconnu, quoi. Ça, c'est dommage. Ok, bon, on va attendre qu'il fasse un truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'écriture. Là, on est à combien? Ok, il n'y a pas l'air d'avoir la glaciale pour l'instant. Là, ça remonte. Ok, bah écoutez, on continue. On va ramener d'autres caméras. Hein. Un petit John Cena, j'aimerais bien. Comment tu vas, Sun Sama? Tu vas bien? Maintenant, dans la Spirit, c'est juste de la radio qui passe. Il n'y a plus les voix flippantes. Si, il y a l'air d'avoir quelques voix flippantes. Merci à tous pour tous ces resubs, là. Putain, vous régalez tellement. On s'arrête pas de jouer tant qu'on n'a pas les dots. Bah, j'aimerais bien quand même avoir les dots. Je vais pas vous mentir. Alors. Caméra, dots. J'aimerais bien qu'ils nous mettent un petit sac à dos, t'sais. Un petit truc en tier 3 qui te permet de porter plus d'objets. Ça serait cool, ça éviterait les allers-retours. Putain. Oh. Je commence à fatiguer là. J'ai plus habitude. J'ai plus habitude. Et puis vous m'avez bien fatigué en début de stream. Il sait pas qu'il faut 5 heures de plus pour voir les dots. Ouais, ouais, je sais pas. Ah, attendez. Sur ce petit écran à la con là, on y voit que dalle. Ok, elle est juste devant moi. Est-ce que là, elle pourrait me mettre les dots du coup? Allez, mets-moi les dots. C'est les dots ça? Non. J'en sais rien. Ok, je suis toujours pas en dessous de 0. Attends, attends. C'était les dots ou c'était la glaciale qu'on a vue? C'est la buée, hein? Ouais, c'est la buée. Putain, on n'y voit rien, on n'y voit rien.
Oula. Bon, attends, je vais regarder l'orbe. Je vois pas d'orbe. Oh putain, on va se faire chasser, on va rien comprendre. Oh putain, vous me lancez un train de hype maintenant? Ok, je vois pas d'orbe. En même temps, avec cet écran, on voit que dalle. Ça chasse là? Je suis pas sûr. Oui, ça chasse. Oh, bonjour. Checkez-moi ça, la rafale. Attends, je... Il est un peu lent, non? Alors... Putain, j'avais oublié mon micro. Attendez, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais j'ai l'impression qu'il a un chou lent. J'ai l'impression qu'il a un chou lent. Alors que peut-être pas du tout. J'ai ma Kiyou, merci beaucoup, comment tu vas, coach chelou, tu vas bien? Connais-tu le streamer? Non, mais on fait pas de pub, putain. Attendez. Merde, ça y est, du coup, je sais même plus ce que je voulais faire. Il m'a attaqué à combien? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il m'a attaqué assez tôt, mais bref. On est parti. Merci beaucoup Scarlock pour le 13e mois. J'ai pas fié à mon instinct sur la vitesse des pas parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Alors. Bon déjà c'est pas un polter. Parce que ça c'est pas un fraud polter. Je vais retourner voir l'écriture. Là, j'aimerais bien. Oh, mon pipou. Tu m'as fait trop peur. Écriture elle est où? Pas d'écriture. Putain, je sais plus jouer au jeu. Pas de glacial là. Ok, c'est les jumeaux. Là, il est rapide. Tu vois, c'est bien ce qui me semblait. Il était lent. Attends, j'ai pas de planque. Là, il est rapide. Ou alors, c'est un moroi. Merde, il arrive. C'était sûr. Eh, hey, comme quoi, tu vois, j'ai des petits restes, hein. J'ai des petits restes. J'ai des petits restes. Donc là, il n'y a pas la... Ah oui, mais on est en cauchemar. On a la spirit, spirit obligatoire pour le moroi, si je ne m'abuse. Donc là, on est sur jumeau moroi, il nous faudrait le MF5. Il nous faudrait le MF5. Le MF5, ou c'est quoi? Glacial, le MF5 ou... C'est quoi le moroi? Écriture, j'ai pas d'écriture. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. T'as vu, ça revient un peu vite, ça revient plus vite. Hein. De toute façon, le moroi, il sera beaucoup plus rapide. J'ai pas ma santé mentale, j'ai rien. Donc écoute, on... Moi, je partirais sur moroi parce que je trouve qu'il m'a chassé vachement vite. Et du coup, j'étais maudit avec la spirit. Ce qui ferait sens. Ouais. Moroi, c'est obligatoire, la spirit, du coup, yes. On est rentré de vacances le même jour. Incroyable. Je sais pas pourquoi je crie. Alors. Donc attendez. Donc là, je suis censé avoir l'écriture ou la température. Ok. On va voir ça. On va essayer de pas crever. Il est juste là. Pas d'écriture. Ah si, température là. Température. Ok. Là j'ai température. Ah ouais, elle a mis le temps quand même. Ah merde, il a coupé le courant. Ok. Mais revoilà. Et écoute, la mage pour l'instant elle est sympa. Je suis un peu perdu mais j'aime bien. Ça me force un peu à redécouvrir le jeu, je trouve ça cool. Ça permet de donner un petit vent de fraîcheur sur le truc. De toute façon, c'est simple, hein. On reste dans le noir. On attend qu'il attaque. Et on va voir s'il est très rapide. Tout simplement. Tu m'as connu grâce à mes vidéos, le Nyox. Bah écoute, bienvenue à toi sur le stream, ça fait plaisir. Là, il est censé être méga rapide. Tu vois? Eh oui, puisque le moroi, moins vous avez de santé mentale, et plus il va vite. Oh, ça y est, on est déjà dans le didactique, incroyable.
Merci énormément. Je vous remercierai après pour les subs. Bon, bah, c'est bien un petit mori. C'est pour ça qu'en fait, on a eu l'impression qu'il nous attaquait super vite. Parce qu'il nous a, maudit à la spirit. Et vous savez que quand vous êtes maudit avec la spirit box, vous perdez la santé mentale deux fois plus vite que normalement. C'était pas français, mais vous avez compris. On est parti. Bon, bah voilà, petit Moroi. Donc, on a eu Gorio, Mimic, Moroi. Toujours pas de dots, hein. Toujours pas de dots, malheureusement. Mais ça s'est bien passé. Mais du coup, pour avoir les dots, vaut mieux qu'on fasse des games en pro. Hein. Il y a plus de chances d'avoir les dots en pro. Donc, on va repartir sur du pro, je pense. Bon, bah voilà. Tout simplement. Oh, j'ai hâte de découvrir les. Je me suis vraiment rien spoilé. Il y a juste un objet qu'on m'a spoilé, mais c'était sans faire exprès. Mais vous savez pas lequel c'est, je ferai, je suis surpris, je suis très bon acteur, comme vous le savez. Incroyable! Incroyable! Petit Moroi des familles, mesdames et messieurs. Alors attendez, on va débloquer le micro-parabolique tier 1, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler ce truc. Combien on fait? On fait 1400? Ah ouais! On fait beaucoup plus quand même, hein. 1700 quasiment! Holy smokes! Let's go baby! Le microphone parabolique est débloqué. Et on va débloquer le prochain? Non, il n'y a rien niveau 8? Comment ça, il n'y a rien niveau 8? Ah, le sel... C'est quoi ce crucifix? Attends, c'est un bâton et une ficelle. Et le sel et le crucifix. Let's go baby! YouTube, on va découvrir ça évidemment juste après la pub. Merci du soutien. Pub! YouTube, on est de retour. On va regarder vite fait ce qu'on a débloqué. On est repassé en professionnel parce que j'ai envie de voir à quoi ressemblent les DOS. Comment tu vas, Razorback? Alors attendez. On a débloqué le micro parabolique. Portée de 20 mètres électronique. Lors de l'utilisation du micro, les écouteurs, vous allez être capable d'entendre les sons. Ok. Alors ils ont l'air d'avoir retravaillé ça, donc on va voir ce que ça donne. On va en mettre un. Le sel. Bah, c'est le sel qu'on connaît, quoi, de base. C'est un consommable. C'est ça. Et donc, le sel, on est obligé de le racheter à chaque fois. Donc, on va mettre... Acheter automatiquement. Ok. Le crucifix, je pense que c'est un consommable, exactement. Ce crucifix peut être tenu ou placé pour empêcher l'entité d'attaquer une seule fois. Donc, le crucifix, en même temps, quand tu vois la gueule du crucifix, bon. Une fois, la portée est de 3 mètres. Donc, la portée... de base de 3 mètres, utilité 1, plaçable, consommable. Alors, je regarde pas les tiers 2, tiers 3 pour pas me spoil. Donc, on va en rajouter 2. Et c'est tout ce que j'avais débloqué, je crois. Bon, bah, let's go. J'ajoute tout ça. Et on est parti en professionnel. Alors, attendez. Appareil photo. Attends, il a pas rajouté le cruci. Pourquoi il a pas rajouté le cruci? Parce qu'il faut que je les achète avant, c'est ça? Acheter. Attends, j'ai pas compris. Ajouter. Ah oui, achète, ajoute. Et donc là, ils y sont. Le marché, je sais pas comment ils ont fait pour faire un marché aussi pété de ça. Personne comprend ce putain de marché, quoi. C'est incroyable. Ok. On est bon. On est parti. On va faire ça. Je suis désolé, je joue sur les mêmes maps, mais c'est histoire de comprendre les objets quand même. Let's go, baby. Alors... Ok. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fais voir à quoi tu ressembles, toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait... Vous savez ce que c'est? On dirait un truc sur Wish ou à Action. Parce que j'ai découvert Action en tournant en France, je connaissais pas. On dirait un truc à Action qui coûte 2€, mais on sait pas ce que c'est. Le truc, il fait grappin, nerf, télescope et pompe-queue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pistolet à colle. Mais what? Oh. Attends, on entend le son. Attends, ça c'est stylé par contre. On a des... Ok, on va tester ça tout à l'heure. Alors ça m'intéresse. Le sel a pas changé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Bah écoutez, on va commencer comme ça, puis on fera des tests après. Hop, let's go. La lampe. C'est bon, j'ai déjà prise. On a affaire à qui? Judy. Action Man. Non mais Action. C'est incroyable ce magasin Action. Je connaissais pas du tout. Merci beaucoup, Mix. Merci, Rem. Merci, Imo Daving, pour le 10e mois.
Ça me rappelle le capteur de son Nature et Découverte. J'ai pas la ref, mais je pense que j'imagine très bien. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la Ouija. Tu vas la mettre le courant. Crucifix du pauvre. Ah bah là, oui, carrément. Alors, ok, il a bougé un truc. Il a bougé un truc. Cuisine ou salon, non? Là. Ok, pas de MF5 pour l'instant. Oula, la température est déjà bien descendue. Ok. Ok. Ah putain, tu galères pas à trouver la salle du fantôme, là. Qu'est-ce que j'ai comme plan que j'ai celle-là? Les objets gaming à action, c'est des pépites, c'est vrai? Faudrait que je regarde. Action, c'est chouette. Écoute, c'est pas de la qualité, mais ça m'a sauvé quelques fois. Hein. Je savais pas où je pouvais acheter certains trucs. Ça m'a quand même bien aidé. Le crucis, c'est le mec, il est sur la route pour aller faire son enquête. Il se rend compte qu'il a oublié les crucis, il s'arrête. Ouais, non, mais c'est ça, il ramasse qu'un morceau de bois, deux ficelles et c'est parti, quoi. Merci beaucoup, I am Everworld pour le follow. Alors. Là, j'ai rien. Le meilleur moyen d'avoir le spirit, c'est d'attendre qu'il fasse une interaction à côté de vous. Oula. Attendez, ça passe à travers? Ah oui. Là. Où c'est qu'il... Ok. J'ai rien. Ok, j'ai... Putain, par contre, la spirit, je sursaute à chaque fois. C'est un truc de ouf. Il a touché la porte, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok, très bien. La spirit, je sursaute à chaque fois. C'est un truc de fou. Dommage qu'il n'y ait pas de T4, j'aurais bien voulu asperger le fantôme Dominique, ça aurait été stylé. Ça aurait été stylé. Allume le MF, merci à tous. Non mais écoutez, c'est trop simple, moi je suis au tiers zéro des objets là. C'est-à-dire que moi les objets, on peut pas les allumer, il n'y a pas de pile. Ils ont pas de pile. Ils ont pas de pile mes objets. J'ai pas débloqué les pipiles. Merci beaucoup pour le Prime, I'm Everworld. Bienvenue là, comme bienvenue chez you. Voilà, un petit cheat pour le fantôme. Ok, je vois pas d'orbe. Est-ce qu'on a la glaciale? On n'a pas la glaciale. Ok. Ah, mais j'ai pas le réflexe de rallumer le MF à chaque fois. En fait, quand tu le jettes... Non, il a... Ok, quand tu le jettes, il reste allumé. Ok, je vais checker les empreintes. J'aimerais bien voir les dots. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Avec un peu de chance, il y aurait moyen qu'on voit les dots. Et les tiers 0. Les pits, c'est level 666, voilà. Alors. Allez, petite empreinte, petit dot. Le thermomètre, c'est vraiment le truc qui pendouille au mur chez mamie. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On n'a pas l'air d'avoir de MF5 pour l'instant. Je vais mettre un cruci. Je me demande si s'ils ont fait des flammes et tout, le truc prend feu, ce serait stylé. Ouais, quand tu changes d'objet, il s'éteint. Ce qui n'était pas le cas avec le MF d'avant, c'est pour ça que je suis trigger, en fait. Alors. Ok, on a toujours le... Ok, alors. Là, j'ai pas d'empreinte. Là, oh, petite empreinte, ok. Donc là, je la charge. Oh, ça sert à rien, de toute façon, j'ai pas l'appareil photo. Elle est où? Ultraviolet, putain, je vais y arriver. Mimic, fantôme, polter, il n'y a pas d'orbe. Fantôme ou polter? Ah bah... On partirait sur fantôme. Fantôme, il y a les dots. Attends! Attends. Et l'autre, c'est quoi? C'est écriture. Hein. Ouais, c'est ça. Oh oui! Nous met pas l'écriture. Attends, donc normalement, on a les dots. Attendez, attendez, on a peut-être les dots. Mets-moi les dots. Je veux voir à quoi ressemblent les dots. Je ne bouge pas tant qu'on n'a pas les dots. Quoi, vous l'avez vu? Il y a un John Cena? Tu vas pas être déçu. Reste immobile, ce sera plus simple, ok. Ça, c'est les dots, ça? C'est la fumée, ça, on est d'accord, c'est pas les dots. C'est la fumée. Ouais, c'est la fumée. On est toujours pas en dessous de zéro. Attends, je vais vérifier l'orbe quand même.
Après, il a peut-être changé de salle. Hein. Ce qui est fort possible. Et du coup, attends, on va checker avec le thermo cheaté. Là. Ah, regardez, là, ça baisse. Non, ça monte. Ok. Là. Là, ça monte. Là, ça monte. Là, ça monte. Ouais, il est forcément ici. Ok, il est forcément ici. Donc, on a soit l'écriture, soit les dots. Je vais caler l'écriture ici. Eh, c'est compliqué quand même. Hein. Cette histoire de dots, là. Hein. Il est où, mon thermo? Là. Est-ce que là, ça remonte ou pas? Ah, regardez, là, ça remonte. Ça veut dire qu'il a changé de salle. Donc, si je me mets là et que ça descend, ça veut dire qu'il est là, maintenant. Ok. Oui, la lumière m'aide pas. Attends. Putain. Eh, mais c'est la galère, les dots. Là, il fait bouger des trucs à côté de moi. Il est forcément ici. Ça, c'est la buée. Ou alors c'est l'écriture qui met de plomb. C'est pas possible. Rapproche-toi. Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une chasse. On fait une chasse. On le saura tout de suite si c'est un polter ou un fantôme. Et comme ça, on n'attendra pas comme des cons à essayer d'attendre des dots qui n'existent peut-être pas. Tout simplement. Non, non, mais il est là. Hein. Il est là, il est là. C'est juste que... Il nous emmerde. Caméra. Elle est où ma caméra? Je perds tout mon matos. Thierry, la caméra elle est où? Allô? Là, ok. Non, non, il n'y a pas d'orme. Ah, on s'amuse bien! Il n'y a pas d'orme. Écoutez, on va faire une chasse. Hein. Ça nous permettra de tester le coup aussi. J'ai commencé à tuer sur YouTube, maintenant je viens sur Twitch, mais ça fait très plaisir. Merci beaucoup, Malar. Ils ont changé l'écriture, je crois, ça va un peu plus vite, c'est vrai? Incroyable. Ah non, non, le fantôme est toujours là, normalement. Hein. Attendez, ça redescend, là. Je vais remettre le bouquin ici. Peut-être qu'il se fout de ma gueule. Hein. Fishmonger? Tu fishmonger? Non, non, je suis toujours à 2 degrés. Oh, ça me rend ouf. Viens, on se fait une chasse. Ça me rend ouf. Viens, on se fait une chasse. C'est quoi l'objet maudit? L'écriture est plus rapide, donc ça devrait être les dots. Attendez, on va le tester. De toute façon, on va tester. Ça va être très facile de voir si c'est un fantôme ou pas. Quel est l'objet maudit? On n'a pas d'encens, d'ailleurs. L'objet maudit, la boîte à musique, ce serait bien. Pas du tout. Ah bah, voilà, c'est un polter. C'est un polter, c'est l'écriture, des bisous. Il vient de faire son pouvoir, on l'a entendu. Fuck. C'était la Ouija? Regardez, il vient de faire son pouvoir, là. On a entendu tous les objets qu'on volait dans tous les sens. Bon, un polter, bah on n'a pas eu de chance. On va continuer. Est-ce qu'on ferait pas des objectifs? Tiens, qu'est-ce qu'on a en objectif? Capteur de mouvement, apparition, micro. Ah bah très bien, on va tester le micro. Et on va tester le... On va faire le capteur en même temps. Pas de dots. Désolé. C'est Bot qui arrive mieux sans preuve qu'avec les nouveaux objets. Non mais c'est fou quand même. Alors. On va le mettre là. Hop. Alors, le micro, comment il marche? Oh, t'entends en temps réel. En fait, ça coupe le bruit sourd qu'on entend à chaque fois. Mais c'est stylé. C'est stylé, par contre, ça a l'air inutile un peu. Ouais, c'est ça, ça coupe juste le...
Il est où ce con? Où êtes-vous? Qu'est-ce qu'il a? Là, il a touché. Oh putain! Ah ouais! En fait, là pour deux coups, c'est un vrai micro parabolique quoi. Ça imite, ouais, t'as un casque sur la tête et tout. Il a niqué les ampoules d'ici. Il a toujours pas écrit, hein. Il a toujours pas écrit. Alors attendez, est-ce que je pourrais avoir un petit cri là? Capteur. Ah putain, il m'a fait un événement par derrière, fait chier. Je trouve que ça fait limite plus flipper avec le micro allumé parce que c'est totalement silencieux quoi. Et dès que t'entends un truc, ça t'arrive dans... C'est quoi ce bug? Il est où? Je sais pas où il est. Oh putain, il m'a popé dessus. Sur les grandes maps, ça doit être incroyable, mais là, la petite map, je vous avoue que c'est compliqué. La portée, le micro parabolique est plutôt ok, tiens. Portée de 20 mètres sur une petite map, ça suffit en vrai, hein. Ça suffit largement. Le rayon du micro, c'était marqué 20 mètres. Ah bah là, il est immersif, moi j'aime beaucoup. Hein. Mais par contre, ça m'a l'air plus compliqué de... Après, on n'a pas d'écran, peut-être que dans le tier 2, tier 3, me dites pas, il y aura un écran, histoire de savoir les décibels, tout ça. Mais là, sur celui-là, on n'a rien, quoi. Bon, du coup, j'ai pas pu voir le fantôme. J'aimerais bien faire le... Mais attends, du coup, ça a même pas marché, le cruci, là. C'est quoi, ce cruci de merde? On va le mettre là. Il est où, mon micro? Là. Je vais essayer de me mettre là. Attends, il a touché une porte. Quelle porte il a touché? Ici. Il est où? Ça fait flipper un peu. Hein. Je trouve que ça fait flipper, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, t'es vraiment immergé dans le truc, quoi. C'est trop bien. Ah ouais, t'entends tellement le truc. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Waouh! Oh non, j'ai loupé! Oh non, j'ai loupé! Attends. Check-moi ça, la rafale. Attends, il a éteint les lumières? Attends, attends, ça éteint les lumières maintenant? Je trouve ça un peu plus flippant, ouais, c'est vraiment une bonne idée. Attendez, une chasse se parer avec le cruci, ça éteint les lumières. C'est un bug? Ok, quand il brûle, ça éteint. Donc en fait, c'est comme s'il partait en chasse. Parce qu'à la fin de la chasse, en fait, ça démarre une chasse, mais ça la finit instantanément. Et du coup, comme en fin de chasse, ça éteint les lumières. Ok. Moi, j'aimerais bien avoir le... un son au micro. Wow! Là. Et merde, et merde. Je vais crever. Ok. Salut Mika, tu vas bien? En vrai, on peut savoir de loin s'il a brûlé le cruci ou si... C'est... Bah là, là, ça a fait beaucoup de lumière, beaucoup de bruit. Hein. Donc il y a moyen, j'aimerais bien voir, mais... Le crucifix, il fonctionne quand tu l'as en main. En tout cas, dernière nouvelle. C'était comme ça. Check ton cahier. Ah oui, voir s'il y a des gribouillis, c'est pas bête. Mais attends, mais du coup, c'est galère d'avoir un truc... Il est où mon cahier? Toujours pas de gribouillis, mais il a l'air d'avoir changé. Il a l'air d'être passé là, en fait. Regarde mon thermo, il est vachement remonté, je trouve. Ah, j'ai rien dit. Là, il descend. Je sais pas, j'en sais rien. Il est où mon micro parabolique? Là. Merde. Fuck! Je vais pas y arriver.
Ok, je l'ai vu. Ça devrait être bon. T'as vu... Comment tu vas, Lucas? T'as vu quand t'as les mains dans le cahier et des gribouillis bizarres? Ouais, je sais pas. Comment tu vas, Terpie? Tu vas bien? Oui, oui, il peut manger dans la main du joueur. Alors, attends. Le truc, c'est que... J'arrive pas... Où c'est que j'ai mis mon fucking cruci? Là. J'aimerais bien qu'il me fasse l'animation du cruci. Et surtout, j'aimerais bien qu'il me mette un putain de son au micro parabolique. Donnez-nous un signe. Derrière moi. Allez. Ah oh, mais c'est impossible, c'est super dur à l'avoir le son avec le T1 là. C'est juste plus discret maintenant, mais ton cahier a été fait. Ah bon? Attends, je vais re-regarder. Il est garage, mais je suis pas sûr. Je vous rappelle que quand il fait des événements paranormaux, il se TP sur vous. T'as pas de chance surtout. Ok. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me caler dans un coin et je vais réessayer. Après, comme on n'a pas encore débloqué les pilules, c'est vrai qu'il arrête pas de chasser, donc... J'avais la buée garage. Oh, j'ai même pas fait gaffe. Le micro, ça dépend, le fantôme est bavard ou non. Bah écoute. Alors... Ah oui, c'est vrai que j'ai la buée, t'as raison. Je vais mettre ça là. Allez, s'il te plaît. Oh, il y a des... Est-ce que j'entends mes pieds? Ah oui. Allez, s'il vous plaît. Oh, donc il est là. Donc il est là. Donc là, on l'a bien vu. Ah, attends, j'aimerais bien voir le cruci avant de partir. Il est où mon cruci? Il est là. Donc là, on l'a bien vu. En fait, il était juste là. Quand j'écoutais ici, on l'entendait. Mais dès que je décalais mon micro, on l'entendait plus. Donc ouais, maintenant, c'est vraiment le son en temps réel quoi que t'entends. C'est un truc de fou. Wouh! Let's go, baby! Ok. Donc c'est la même animation. Et puis le cruci, il a qu'une utilité. Sympa. Eh ben écoute, on aura découvert des trucs durant cette game et en plus on l'a fait à fond, ça fait plaisir. Bon, j'ai toujours pas fait de photos, mais... Eh ben écoute, pour l'instant c'est sympa. Ah attendez, vous m'avez dit l'écriture. Attendez. Vous m'avez dit l'écriture. Vous m'avez dit l'écriture. J'aimerais bien pas crever. Et ça a éteint les lumières. Et ça éteint bien les lumières quand tu crames le cruci. Attendez, est-ce que je vais avoir le temps d'aller voir mon bouquin? Non, non, il a pas écrit. Hein. Non, non, il a pas écrit, il a pas écrit. Parce qu'en fait, quand il écrit, normalement, il n'y a plus le crayon. Non, il a pas écrit, il a pas écrit. Il a pas écrit. Dans la main, on le voit. Non, je pense que c'est normal, ça. Non, non, il a pas écrit. Hein. Moi, je pense pas qu'il ait écrit. On va regarder, on va regarder. Walter. Quand tu vas instant, tu vas bien? Regarde dans tes mains. Non mais on voit vite fait des trucs sur le cahier, mais je pense que c'est juste le cahier qui est sale. Hein. Normalement, le stylo, il est censé bouger. Moi, je pense pas qu'il a écrit. Hein. Alors, on va regarder, calmez-vous. Alors attendez, j'ai mon stream deck qui marche plus. Comment ça se fait? Comment cela se fait, still? C'est bon. Alors, on va même pas prendre un niveau aussi, un niveau. Niveau 10! Yeah! Bravo, merci à tous. Non, non, il a pas écrit, on est d'accord. Bon, on s'est toujours pas trompé de fantôme. On a eu le polter. Par contre, on galère toujours à avoir la dernière preuve. Va savoir pourquoi. Le cruci, c'était quand même assez stylé. J'ai bien aimé. Le micro, j'aime... Alors, le micro tier 1, par contre, il est pété, je trouve. Mais j'aime beaucoup le côté immersion. Le côté où t'entends en temps réel ce que t'es vraiment censé entendre. Parce qu'en vrai, avant, t'entendais pas l'aspirite, t'entends... Enfin, ça... C'était pas un micro parabolique quoi, t'entends juste les bruits de pas ou le fantôme. Là j'aime beaucoup, je trouve que t'es vraiment plus dans le jeu.
Il y a un petit côté horreur que j'aime bien parce que du coup ça coupe tout le son ambiant et t'es vraiment concentré sur le truc. Et donc si tu te prends un cri ou un événement paranormal, enfin tu sursautes quoi. Ça j'aime beaucoup. YouTube, dernière petite page de pub. Et puis vous inquiétez pas, le prochain fantôme ce sera un fantôme avec les dots. À tout de suite YouTube. YouTube, on est de retour. Dernière game sur la Willow. J'y crois à mort. On va avoir les dots. On va finalement, enfin, pardon. Savoir à quoi ressemblent ces dots, on est niveau 10, c'est incroyable, toujours en pro, hein. On a débloqué le trépied, donc le saint trépied, alléluia, on est parti, mesdames et messieurs. Des bisous à ceux qui vont se coucher. Contrôle du zoom pour le trépied, c'est une mauvaise traduction, c'est knockdown. Ah, d'accord, ok. Donc il a moins de chances de... Ah, le saint trépied. Ce qui serait bien, tu vois, c'est qu'on puisse placer ça sur le trépied. Ça, ce serait bien. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais ce serait bien. Ah ouais, j'avoue que ce serait stylé. Alors, on va commencer ça, ça. Donc, on a regardé YouTube. Il faut être niveau 19 pour avoir la nouvelle lampe. On a affaire à Sophie. Sophie Lewis. C'est parti. En tout cas, tu m'as manqué. Mais c'est vous qui m'avez manqué. Alors, je dis pas trop de conneries ce soir. Hein. Je suis en découverte. Et vous inquiétez pas. Dès qu'on va faire un jeu d'horreur, les conneries vont revenir. Comme disait quelqu'un en début de stream, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Petite fée, Kleine Fairy. Ok. Ok, on a encore la Ouija. J'ai l'impression d'avoir la Ouija sur toutes mes games. Ok. Le sprint illimité en extérieur, ce serait pas mal. J'avoue que ce serait pas mal. Donc là, on va remettre le courant. Et donc là, tout le monde démarre. Comment t'appelles ça? Thermomètre maintenant? J'ai entendu une porte à l'étage. C'est pas ici? Pas ici. Là, ça descend pas. Les vacances, j'ai fait plein de trucs, on en parlera un petit peu en début de stream à chaque fois. Bon, je me suis peut-être fait mind game, c'était peut-être en bas. Perso, je démarre EMF. Bah moi avant, je démarrais de EMF, mais tout le monde me dit que le thermo est cheaté maintenant. Alors, on a encore les poubelles. Ça c'est cool. Ça descend ou pas là? Non? Si? Bah voilà, il est là. Non mais c'est abusé. Le MF5. Bon bah voilà, c'est fait. Bonjour. Non mais attendez, c'est abusé. À peine tu rentres dans la salle, le truc il descend tout de suite, tu sais que c'est là. Des bisous, Lana. C'est incroyable! Merci énormément, Mr. Kill, pour le 7e mois. Noli! De tiers 2, 23e mois. Instant. Fararu pour les follow. Je suis désolé, je remercie personne. Je suis désolé. Dès 2006, merci beaucoup pour tous ces bits. Le briquet T1, c'est un silex et une pierre à feu. Ça a l'air. Ok, on a le MF juste là. On va prendre. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ça. Allez, j'y crois à mort. Les dots, j'y crois à mort. Pour les maps fermées, mais j'ai l'impression. Hein. Le MF détecte la salle des fantômes vraiment. Oui, les interactions, oui, je sais. Hein. C'était déjà le cas avant. Xormac! Merci beaucoup pour le raid, Xormac. Installe-toi, bienvenue à toi et les tiens. On découvre cette petite mise à jour de Phasmophobia. Enfin, on découvre surtout les nouveaux objets. Hein. Alors. Y a pas d'orbe? Si, y a orbe. Orbe? Pas de spirit. Oh, un petit Raiju là. Avec les dots. Qu'on aille voir la lampe UV. Ok. Comment ça va? J'envoie tout le monde sur ce gameplay incroyable. Alors, incroyable, je sais pas, hein, parce qu'on découvre, mais c'est très gentil. Installez-vous, comment tu vas, Wan? En plus, c'est le stream de reprise. Hein. Ça fait un mois et demi que j'ai pas streamé. Mais ça se passe bien. Les dots me font penser à un babyphone. Ah, mais ça, c'était la spirit. Donc, toi, ouais, t'es dans les choux là. Oh putain, j'ai déjà vu la lampe T3, elle éblouit la caméra, c'est vrai. Alors. Hop. Et hop. Est-ce qu'on aura les dots? Allez, j'y crois à mort. J'y crois à mort. J'y crois à mort. Mais ouais, wesh! Comment tu vas? Merci beaucoup pour les 20 mois. Merci à Jean. Lilaxiel pour le 3e mois. En fin de retour, ah, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Vraiment.
Des bisous, Xarwak, merci encore. Salut Xeno. Alors, est-ce qu'il nous a mis une empreinte, un truc? Putain, j'ai l'impression d'être un noob. Ah, il a touché la porte. Empreinte. Bon, et eh ben on n'aura pas les dots, c'est un no-baquet. Fuck. Bonjour, monsieur le baquet. Bonjour, bonjour. Dommage. Dommage, dommage. Qu'est-ce qu'on a à faire? Capteur de mouvement, photo de l'entité. Oh, la flamme. On n'a pas les dots. Je suis dégoûté. Ah, c'est Sadako en plus. La game speedrun. Ouais, j'ai même pas fait exprès en plus. Bah, le cahier, on l'a déjà vu vite fait. Ouais. Let's go, les Puntos. GG. Ah, ça fait chier, ça fait chier. Tu kiffes les nouveaux bruits des objets? Bah, j'ai pas tout découvert pour l'instant. Mais moi, j'adore. J'adore. C'est beaucoup plus RP. Plus ça devient RP, mieux c'est, hein, quelque part. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en relance une? Capteur, attends, on va faire le capteur, c'est vite fait. La photo, allez. Dans le doute, on prend l'appareil photo. Mais... Moi, j'ai... Ouais, le son du micro-ondes quand tu level up, c'est vrai que c'est assez rigolo. Ça a l'air simple quand c'est toi qui enquête. C'est gentil. Un petit 6 doigts pour le plaisir. J'ai déjà fait la blague sur les mamans. Calmez-vous, arrêtez de me lancer des perches comme ça. Alors. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il te plaît... Hop. Alors. Ok. Est-ce qu'on n'a pas une petite empreinte? On va secouer le bout. Petite empreinte, non, ça veut pas. On va prendre une petite photo. Alors, où êtes-vous? Allez, fais pas le malin. Mets-moi le capteur, là. Merci. Non, c'est moi. Petite empreinte de baquet, là. Tiens, je vais voir combien les photos rapportent. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Est-ce qu'il m'a fait le... Il m'a fait le capteur. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ah mais attends, j'ai du sel. Attendez, j'ai du sel, je vais tester les photos dans le sel. Attendez, attendez, attendez. J'ai du sel. Parce que maintenant ça compte. Est-ce qu'on peut voir le baquet dans le sel? Parce que le baquet, il a 25% de chance de pas vous mettre d'empreinte. Mais du coup, est-ce que... Répondez pas à la question. Est-ce que au niveau des traces de pas, il met que 3 traces sur 4 par exemple? Des bisous, Miss Pekpek, bon courage. Avec le capteur, on peut faire du limbo. Répondez pas dans le chat, taisez-vous. Laissez-moi vérifier. Je suis à combien? 62. Ok. Tu l'as eu qu'une fois, son empreinte spéciale? Ah, elle est stylée. Elle est stylée. Comment tu vas, Clo-Clo? Tout premier live. Eh ouais, incroyable. Alors. Allez. On aura les dots la prochaine fois, c'est pas grave. C'est bien de pas tout découvrir dès le début. Alors. Le sel. On va s'en mettre un là et un là. On va se prendre... On va poser ça. On va se prendre ça. On peut le resecouer combien de fois? À l'infini? Ce serait ouf. Pas d'empreinte, pas d'empreinte. Allez, marche dans le sel, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Exactement, titre. Au baquet, c'est pas celui qui se transforme. Si, si, si. Alors. S'il te plaît. C'est quoi ce sel de merde? Il marche pas? Il est humide? C'est du sel humide. C'est du sel humide. Attendez, je vais en poser une deuxième. Attends, il y en a que deux? Oh merde! Il y en a que deux maintenant. Oh nul. Ça c'est l'inflation, mesdames et messieurs. C'est vraiment des salauds parce que ils montent pas le prix du sel, mais par contre ils en mettent moins. Ah, attendez. Donc là il y a une seule empreinte. Faudrait qu'il marche. C'est la crise. Bah oui, c'est la crise. Ah, évidemment il marche pas. Oh là, mais ça reste 2 secondes en fait. Allez, s'il te plaît, marche dans le sel.
J'ai eu la photo. Ah oui, j'ai eu la photo. Ah, donc les photos sont assez simples là. Ça fait plaisir. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Là. Là. Ah là, elle a pas marché. Celle perturbée. Elle a marché là? Elle a pas marché. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est vraiment. Ça reste pas longtemps. Hein. Putain, ok. Moi je suis tout niveau 1 pour l'instant, hein, ceux qui viennent de débarquer. Ok, il a fait péter les ampoules. Bon bah écoutez, très bien. Ouais, elle a disparu juste avant que je la prenne, je suis dégoûté. Sel perturbé, c'est rigolo ça. Le pauvre Sel, il a rien demandé, il est perturbé. Merci Follow Max. Merci Rusher. Bon bah écoutez, petite game hein, juste avant qu'il attaque. Let's go, petit au baquet. On n'aura pas eu les dots malheureusement. On n'aura pas eu les dots. On n'aura pas eu les dots, c'est dommage. Ça me perturbe, c'est le perturbé. Non mais je te comprends. C'est grave maintenant, je regarde que ces vidéos. Ah, les vidéos de qui? Les miennes? Si c'est les miennes, ça va. C'est quelqu'un d'autre? Non. Non, non, non. Ah, les photos sont pas prises en compte par le multiplicateur. Ok, ça, ils ont pas changé. L'os n'est plus pris en compte. Ah, intéressant. Ah, les photos, ça rapporte que dalle. Ça rapporte que dalle. Ok, on va même pas passer de niveau. Commencer à 1000 d'XP pour passer de niveau? Ouah, mais attends. Ça prend combien de temps pour passer niveau, niveau 100 maintenant? Ça doit prendre deux plombes. Bon, bah écoutez, on a. Qu'est-ce qu'on a débloqué là, niveau 11? On a débloqué. Incroyable! Le micro, le capteur sonore. Et bah écoutez, ce sera pour la prochaine fois parce que là, j'ai pas trop envie de le découvrir tout de suite. Voilà, YouTube. C'était ma première découverte de la nouvelle mise à jour. Alors, toi, tu y as déjà joué sûrement depuis déjà très longtemps. Donc, il y a plein de trucs que tu sais que moi, je ne sais pas. Mais ne spoil pas, s'il te plaît, dans les commentaires. J'aime bien tout découvrir par moi-même. N'hésite pas évidemment à t'abonner à cette chaîne et à venir me voir en live sur Twitch. Tu vois, c'est où il y a tous les meilleurs, tu vois, juste au-dessus de moi. Et puis. Et puis, les vidéos vont reprendre petit à petit hein, sur YouTube, une vidéo par jour. Donc n'hésite pas à te foutre la cloche si jamais tu veux être tenu au courant. Le chat t'embrasse et moi aussi je t'embrasse YouTube. Des bisous.